Dans cette vidéo, je vais vous apprendre comment utiliser les mots-clés. Les mots-clés dans ManyChat permettent de déclencher des actions. Par exemple, nous allons créer un mot-clé contact qui va déclencher l'action de faire un chat direct avec l'administrateur. Dans votre tableau de bord, vous allez cliquer sur Automation et ensuite sur Keywords. Vous voyez qu'il y a déjà deux mots-clés qui sont préprogrammés, soit Start, Subscribe pour s'inscrire à la conversation, soit Stop et Unsubscribe pour se désinscrire. Donc nous allons créer un nouveau mot-clé en cliquant sur New Keywords et nous allons insérer Contact. Vous pouvez sélectionner la chaîne de distribution, que ce soit sur Messenger ou sur SMS, et puis ensuite vous allez déclencher l'action. Donc, vous cliquez sur Action et là vous reprenez la méthodologie pour créer un chat direct, c'est-à-dire une conversation ouverte, et ensuite vous notifiez l'administrateur que quelqu'un veut lui parler. Vous cliquez sur le message de façon à avertir l'administrateur avec des éléments qui sont importants pour la conversation. Et ensuite, vous allez créer une nouvelle réponse pour avertir votre visiteur que Marie va bien lui répondre très rapidement. Vous n'oubliez pas de publier avant de partir. Retrouvez toutes les informations de cette vidéo sur la description de la vidéo de YouTube ou alors sur l'article de monrépondeurautomatique.com. Puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker cette vidéo.